This is Meltino. We did it, team. We found the location of the homeworld. Great news, Meltino. Forward the information to us, and we'll start the invasion. Wait, you can't go yet. Listen, Dad, we're going and you can't stop us. Yes, I know that, Slippy. But if you go as is, you'll just get killed. Take the self-destruct program. What? Self-destruct program? I have discovered that the Aperoids are vulnerable to apoptosis. Apoptosis, huh? You mean they contain cells that are created for the purpose of self-destruction. Right, and I'm making a program to set off a chain reaction in those cells. If you fire the program into the Queen, all Aperoids will self-destruct. That's incredible. We can take them out with one blow. A huge Aperoid force has warped in. They are targeting the gate. They aren't going to make our trip to their homeworld an easy one. If you can't get to their homeworld, the program is useless. You must protect the gate until the program is complete. Understood. We won't let the gate fall. Salut les players, c'est Shadows. On se retrouve pour la suite du walkthrough sur Star Fox Assault. Donc on est arrivé à une mission, encore une fois, dans l'espace. Ce sera la dernière d'ailleurs. Et là, le but du jeu, c'est de protéger la station. La station que vous voyez là. Donc on est parti. Hein. Là pour l'instant, faut dégommer des gens. Tout ce que je sais. Y'a rien de compliqué. C'est marrant, mais à chaque fois que je dis ça, c'est. Y'a rien de compliqué. Enfin, c'est vrai, remarque. Bon, je vais laisser les piles là. Putain, ça lag. Si je mets pause, c'est que ça lag. Vous étonnez pas. Donc c'est l'avant-avant-dernière mission. Donc là en fait le but du jeu c'est de sauver tes camarades nuls à chier, hein, faut le dire, parce que... Ils sont vraiment nazes, c'est pour le coup. Donc ouais, on va essayer de finir ce walkthrough avant 2012, hein, ce serait pas mal. Puis j'aimerais commencer un autre walkthrough aussi, surtout ça. Peut-être un jeu que j'ai jamais fait, ça serait peut-être intéressant ça. Ça sera intéressant dans le sens où je découvrirai le jeu avec vous. Parce que là, je fais que des jeux que je connais, bon bah, c'est... voilà quoi. Donc je sais pas encore quel jeu je vais prendre. Je sais que j'avais prévu Uncharted 2 et Killzone 2, mais bon... ma PS4, on va dire qu'elle est un peu morte en ce moment. Donc on va la laisser tranquille. Donc faut voir... Je sais pas, franchement je sais pas encore. Donc là, va falloir détruire le missile, hein, simplement, avant qu'elle touche la station. Rien de compliqué. Ah, bien sûr, je suis à l'opposé. Ça c'est logique ce que j'aime bien mon grand. Merci Captain Obvious. Nice work, Fox. New missiles detected. They are approaching the
T'as une queue le cul là. Culé. Ils sont pas difficiles à détruire, franchement. C'est juste le dernier qui va être un peu chiant. Je crois que j'en ai dans la station. Ah, faut les trouver. Hein. Non. Oh, j'en sais rien. On fera ça. Voilà le entre guillemets boss de la mission. C'est vraiment pas difficile. Allez. Donc là faut le détruire à l'arrière. Parce qu'en fait il se détruit par partie celui-là. Putain, par contre faut bien viser. Pas comme moi. Par contre il est tellement chiant à avoir celui-là. Un truc de ouf. Putain. Je me fais dégommer en plus. Putain, je vais pas l'avoir. Sérieux. Je sais plus par où il faut le détruire. Putain. C'est bon. J'ai dit c'est bon. Oh la vache. Je suis dans la merde. Ça me casse les couilles, sérieux. D'où je perds ici, quoi. Eh mais casse les couilles sérieux. Putain. Allez, un peu de concentration là. Putain, voilà.
Ah, je suis un connard, c'est pas vrai. Missile destruction confirmed. Well done. We've just finished the self-destruct program too. Way to go, Dad. Now all we have to do is gift wrap it for the Asteroid Queen. Bon, bah, on va continuer sur la mission. Hein. Donc on y est. Allez, mission 9. Zyphering now expanding. Main riblock disengaged. All blocks orbits confirmed. No anomalies detected. Commencing energy exposure. Expanding gate lens. Gate creation successful. Well, it's almost time. Opening fleet-wide transmission channel. Attention, fleet of Corneria. We in command have done all we can. From here on out, we're entrusting everything to you. So please, do your best. But try to come back alive. Okay, Pop. Link the gate. Target, the Aperoid homeworld. Okay, is everyone ready? Star Fox? Move out. Je vous laisse profiter, hein. Tant qu'à faire. Il y a tel portail qui se referme. Blah. Coordinates of Aperoid system confirmed and stored in memory. This is it? It's lovely. I wasn't expecting that. A des goûts bizarres, Crystal. Wait, its size and mass are disproportionate. What? What does that mean? Are you seeing... Berk. Dégueulasse. Look there! That must be where the Aperoids came from. Maybe we could use it to make our way to the planet interior. But after the Aperoids come out, it looks like some sort of shield goes up. Multiple shield generators detected, displaying now. If the past is any indication, there'll be hatchers along with those shield generators, huh? Even if we could move forward, that's as far as we'd get. It'll be dangerous, but we've got to demolish all the generators and turn off that shield. Donc c'est parti. Là on a, comme vous le voyez, on a notre Lone Master et Arwing à notre disposition. Donc pour me déplacer plus vite, je pense prendre l'Arwing. Hein. Parce que je sais plus exactement où il faut aller. On s'en verra. Hein. Donc ouais. Putain, mais sérieux, crève toi. Je crois qu'il faut aller par là. On peut aller par là, oui. Il me semble que t'as un truc. Alors, je sais plus s'il est en haut ou en bas. Ouais, il est. Je sais pas. Destroyed. Well done, Fox. Three more hatchers to hit.
Est-ce qu'il n'y en a pas en bas, par hasard? Ça, c'est bon, ça. Non. Apparemment, non. Donc, on va sortir. On va pas rester ici trop longtemps. Ça pue du cul. La vieille expression miracle, c'est... Il est stylé, ce monde, quand même. Je l'aime pas, mais il est stylé. Donc on prend le Warwing, hein. Enfin l'Arwing, et on se pose ici. Hop, hop, hop. Non, pas là. Ah, mais du coup, putain, c'est tellement pas maniable des fois. Putain, mais pose-toi. Ah là, putain. Bon, lui, on peut pas le détruire avec le machin. La Gatling. La machine gun. Je sais pas comment ils appellent ça. Oh la vache. Putain. Ah, il casse ses couilles, lui. Eh non, il est sérieux, lui. Bon, next. Alors, il est en haut ou en bas? Bah, il est en haut. On peut pas aller en bas, je suis con. Bon, on rush, hein. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Je dis on rush et puis moi je tire sur mes ennemis, tu sais. Crétin. Mais crève! Ah, il y a un bouclier, c'est vrai. Je crois que j'ai tout détruit. Ça, ça m'est utile, ça. Bon, j'espère qu'il me restera assez de vie, quand même. Parce que là, on joue assez mal. Allez, c'est parti. Mais sérieux, lui? Je lui tire dessus, ça lui fait rien. Et de l'autre côté. Ah. Putain, j'espère que j'aurai assez de vie, quoi. Oh la vache. Donc là c'est encore en bas, je crois. J'espère. Ah vache. Il y a trop de monde. Eh sérieux. C'est le Dawa.
De la vie, ah oui, de la vie. Merci, oh merci mon Dieu. Putain. Maintenant dans les jeux récents, tu serais plus comme ça pour chercher des vies quoi. Putain, oh le con. Douche-t-on quoi. Attends, heureusement qu'il n'y a pas de temps parce que je mets 3 plombes, tu sais. Je crois que ça va être la partie du Wolfou le plus long, là. Là, on est déjà à 28 minutes de vidéo. Ça y est, allez, on se casse. Enfin, on se casse. Il en reste un, quoi. Ah, putain. Ça, j'aime pas cette boule, là. Oui, je sais, j'ai dit boule. Ha 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 ha. Putain. Putain, allez. Commence à me péter les couilles. On va pouvoir user de notre... On va pouvoir user de notre bouclier, puisqu'on en a deux. Moi je suis assez quelqu'un d'économe. Mais bon, vu que c'est la dernière mission terrestre, on passe privé. Hein. Allez, un petit peu de concentration. Oh le con. Allez, on se casse. Par contre, le bouclier se consomme assez rapidement. Je vais peut-être user trop tôt. Non, ça va. Allez, vite, 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 vite. Je prends une paire d'ici, quoi. Parce que là, si vous voulez, il en reste, mais... dehors. C'est plus terrestre, donc ça va. C'est pas trop compliqué, ça. Qu'est-ce qu'il faut pas demander à Fox McCloud? Franchement. C'est marrant, mais en bas on dirait qu'il y a une ville. Enfin non, en fait non, j'ai rien dit. Je dis de la merde. Est-ce qu'il va me casser les couilles plus qu'autre chose, ça va être les... Les missiles. Donc là c'est très simple comme je l'avais dit. Oh putain, j'ai trop que c'est vrai. Allez. Bon bah on se retrouve pour la suite du Wolfou. Parce que là je vais faire la suite, hein, mais je vais couper en deux vidéos pour pas que ça soit trop lourd. On se retrouve donc après pour la dernière partie du Wolfou sur Star Fox Assault. Salut les gars. Everyone's safe. Next up is the Queen.